pense qu'il y a un problème au niveau du nom. Au final, du coup, Genius va se trouver à droite et donc va nous jouer Paul Ryan contre Trianman qui sera donc à gauche et qui va nous sortir plutôt un Fang et Kazuya. Donc c'est parti, final loser, premier à 3. Donc on joue pour la grande finale. Je vous prie de l'applaudir, je vous remercie. Alors on n'a pas de son. Ok, c'est bon. C'est bon. Alors c'est parti, du coup ça va jouer sur le terrain Snoop Dogg. Donc on voit Genius qui passe à l'offensive, donc il chope. Voilà, Trianon qui stoppe tout de suite le pressing. Ils essaient d'évaluer la distance, hein. On voit qu'il... Alors Genius qui reprend l'offensive. Il est joué de manière safe, hein. Ah, très bien joué. Il a joué un coup qui était lui permettait d'être en avantage au niveau des frames. Donc il va le coller au mur, il va essayer de le presser au mur, il va falloir que Trianon s'en aille très vite. Voilà, ça va faire mal, ça va aller en gros combo. Est-ce qu'il va confirmer? Ah, ça fait replonger mal, voilà, 80% de la barre partie pour Fang, mais Trianman du coup choque, ce qui va permettre de taguer. Voilà, là, il fait bien, il punit, donc ça va être à son tour de le presser au mur. Ah, très bien joué ça. Je pense que du coup, là comme vous pouvez le voir, Kazuya s'est transformé en mode débile. Donc du coup, il y a des coups différents, ce qui a permis de lancer un launcher. Ah, Genius revient à l'offensive. Ah, il ouvre son combo, c'est dommage, il aurait pu finir. Oh là là, il y a eu un coup bizarre là, de la physique du jeu là. On sait pas encore le coup est passé, mais ce qui a permis à Genius de remporter le premier match. Donc c'est reparti, Genius qui repart pour l'offensive. On va aller chop en deux, c'est bien joué. Il y a pas... Voilà, un très bon déplacement de la part de Trianman. Il a passé à bien, il s'est passé sur le côté. Mais qui repasse à l'offensive aussi avec Kazuya, on débute toujours. Donc Trianman qui recule, hein, il joue la crampe, il fait très bien. D'ailleurs, il a l'avantage au niveau de la vie, il n'a pas à le chercher, c'est très bien. Genius, il va falloir qu'il en gratte à nouveau. Ah dommage, c'est pas puni. Ah, très bien joué. Donc il est passé. Il va envoyer au mur et finir. Ah non, dommage. Ah dommage, c'était vraiment... C'est vraiment très près du but. Voilà, il le garde au mur, il le garde au mur. Très bien joué, il a bien puni, ça part en combo. Donc ça va permettre d'enlever 40% de la barre environ. Donc avantage élevé pour l'instant pour Trianman. Oh là là, très bien joué la phase. Un dommage, le combo est coupé. Tu vas permettre à Trianman de remonter avec un combo. Il va falloir qu'il prévoit. Ah, très bien joué, attention, on va ouvrir en attaque. Voilà, bien joué. Donc il chope. Il va falloir qu'il le garde au sol. Voilà, très bien joué, il va le garder au sol, attention. Ah, très bien joué. La balayette qui est passée et ce qui lui permet de prendre son premier round ici. Ça fait donc 2 rounds à 1. Ah, attention au whiff, mais c'est pas grave, ça choque du coup. Ça switch. Oh là là, malgré le coup qu'il a pris, il peut reprendre en jungle, c'est bien joué. Ça va permettre de le presser au mur. Ah, c'est puni, c'est bien. Faut pas laisser les choses gratuites, hein, c'est très bien joué. Alors on voit que les joueurs cherchent à jouer zoning. Ah, la balayette qui est passée, ça va permettre de partir pour un combo et de l'emmener au mur. Ah, bien puni. Oh là là, il l'a vu, il l'avait vu, il a tombé ça. Il a vu la balayette, il l'a bloqué. Et bien sûr, cette balayette n'est pas gratuite, hein, elle fait très mal, mais elle n'est pas gratuite, ce qui lui a permis de faire un juggle. Mais là, Genius a l'air de revenir. Ça va faire... Oh là, attention les dégâts, attention il est en mode rage, ça fait très mal. Alors les deux joueurs cherchent à se gratter, il reste très petit pour Genius. Voilà, très bien joué, Trianman qui revient. Il a l'air de bien revenir, hein. Il a l'air de bien saisir le jeu de Genius. Il est très très posé, comme il a un jeu très posé et très solide. Genius qui a l'air de passer à l'offensive à nouveau. Attention, il y a le mur, oh là, très bien joué. Il a continué beaucoup pour pouvoir passer un bon coup. Ah bah il va le garder au mur, il va falloir que le Trianman fasse très attention s'il veut se libérer du mur. Mais oh, Genius est là, il le garde, vraiment c'est... Genius a vraiment une très bonne pression au mur. Ah dommage, il a bloqué, il s'est pas fini.
Gaiman qui semble vouloir counterpick peut-être, on ne sait pas trop. Ah, donc il passe au Jinpachi. Donc il remplace Fake par Jinpachi. Jinpachi qui est un jeu vraiment à la fois très stage mais vraiment à la fois très gratifiant. Hein. Il fait horriblement mal dans ce jeu. Donc est-ce que ce qui va permettre à Triadman de reprendre le dessus sur Genius? Donc c'est parti, deuxième match. Voilà, Triadman, ah, là, il attendait celle-là, il a juste lâché en arrière. Genius qui a l'air d'avoir un jeu vraiment très utile sur la sensible, attention. Eh ben, descend. Donc Triadman qui a l'air de bien s'en sortir. Ah, dommage, il n'est pas passé, c'est dommage. La palette, normalement, aurait dû le faire tomber pour continuer en combo derrière. Mais, du coup, la distance a fait qu'il n'a pas fait tomber. Donc là, Genius a l'air de continuer à prendre de la force au mur. Hein. Et ce qu'il arrive très bien, apparemment, c'est pas évident. Parce qu'il est venu comme ça. Bah, il fait sur Brian, très bien joué, il le punit, donc du coup ça va être au tour de Triadman de le presser au mur. Ah, il se transforme en mode débile, voilà. Donc les deux adversaires ce jeu encore, il essaie de voir l'erreur. Ah, très bien joué de la part de Genius qui a bien décalé le coup et qui a permis de prendre ce premier round. Ah, voilà, très bien joué, voilà. Voilà, exactement. Là, il faudrait que cette phase, il faut vraiment faire attention en soi, elle est très dangereuse. Genius prend quand même des gros risques en balançant ses coups comme ça, mais comme il est très très vif, il a un jeu vraiment très très vif, il permet de revenir en garde très rapidement. Ah, dommage, là où il fait, voilà, il a vu qu'il allait faire TP, il a très bien joué. Donc il regrette tout le niveau de la barre, très bien joué. Ah, attention, ça va faire mal. J'ai une petite... Oh là là là, la barre. Ça revient. 60% de la partie est partie. Ah là, ça va faire mal ça, je pense que c'est terminé, j'ai nous apprendre. Ah non, dommage. Ah dommage, c'est vraiment dommage, c'est bien joué de la part de Genius, il a très bien vu que le combo n'allait pas se finir, donc il s'est topé et il a attendu que l'adversaire se relève pour le reprendre. Donc, il est déjà à 2-0 du coup. Voilà la chambre de taille, très bien joué. Voilà, les tricks, ils sortent nulle part. Est-ce que ça va permettre de mieux? Et on le tour, la 80% de la barre qui part sur le tac qui arrive. Ah, dommage, il a tenté la barre. Ça aurait pu passer, hein, mais Genius a eu le réflexe de taper avant. Donc pour l'instant, avantage pour Triadman. On va faire attention car Brian est pas mauvais en poke. Hein. Enfin, il a un jeu de poke pas évident en main, mais il est pas mauvais. Oh là là, très bien joué. L'esquive de la valiette. Il a joué donc. Oh là là, le coup. Là, il faut vraiment connaître le perso. Je ne vois pas ce qu'il pouvait faire de plus, sincèrement. Là, c'était très bien joué de la part de Tremay qui a permis de reprendre ce match. Enfin, ce round, excusez-moi. Donc voilà, Genius qui le garde au mur. Hein. Il veut vraiment pas le lâcher. Il veut... Ah, très bien joué de la part de Tremay qui a aussi assez passé son côté à sa step. Hein. Donc, ce qui lui permet de se libérer du mur. Est-ce que ça va être à son tour? Voilà, très bien joué de la part de Lo qui. Vraiment, faut connaître le perso. Voilà, Tremay voit que Genius n'a pas l'air de connaître justement. Donc, il se permet de le balancer à nouveau. Donc pour l'instant avantage, je dirais alors, il y a peut-être l'égalité au niveau de la barre, donc plus maintenant, contre Randman. Voilà, donc ça va être au tour de Genius de presser en coulo. Voilà, le PA qui passe en contre, ça va permettre de lancer en combo, est-ce que ça va terminer? Même pas. Triadman revient. Oh non, Genius là, très bien prévu. Il savait que ça n'allait pas terminer, il le garde. Maintenant il va le represser au mur comme il sait bien faire. Bien puni, il l'avait vu. Ah, il s'est baissé, dommage. Donc c'est parti pour un jugle de nouveau pour Triadman qui va l'emmener au mur, ça va faire mal, attention. Faut pas voir le tag. Voilà, là. Voilà, il me presse au mur, c'est très bien vu de la part de Genius à nouveau. Genius qui... C'est dommage, ça aurait pu être évité, mais Genius qui a l'air de voir que son adversaire n'a pas l'air de réagir sur ces coups-là, donc il continue d'en profiter, c'est très bien joué. Donc il reprend ce deuxième match qui le fait 2-0 pour Genius. Donc, est-ce que Triadman va de nouveau counterpick? Genius a l'air d'être très confiant et il reste sur son pôle... Sur son pôle démoniaque, hein, à savoir que Genius a été vraiment le meilleur joueur sur Tekken Tag DR et également sur Tekken 6, sur Tekken Tag 2 malheureusement par son travail Game One, hein, beaucoup moins actif sur la scène,
mais ça n'empêche pas de montrer qu'il est toujours présent ici, hein, parmi nous. Donc du coup, est-ce que c'est un counterpick que j'ai pas vu? Get ready for the next batch. Ah, donc Trianon reste sur son choix, sur Jinpachi Kazuya. Donc malgré qu'il n'ait pas réussi à prendre ce deuxième match, hein, donc il va rester sur Jinpachi. Peut-être qu'il se dit que les coups, enfin que Genus a l'air de pas trop connaître, il va peut-être essayer de l'arnaquer, enfin en tout cas, c'est ce qu'il faudrait qu'il essaye de faire peut-être. Et du coup c'est reparti, donc Genus qui a l'air de reprendre l'offensive, à nouveau, voilà, il va le bon au mur, hein, il va le garder au mur, dommage, il a aussi attaqué un temps. Et du coup, Trianon qui a pu revenir sur Kazuya, ça va être à son tour de le garder au mur. C'était dommage, c'était vraiment beaucoup qui riche à sortir, mais il n'est pas ça juste à temps. Ça aurait pu le boss plat et partir sur un autre combo, ça aurait fait très très mal, mais c'est pas grave, il le garde au mur. Il le garde au mur, voilà, il va dans des coups longs. Oh non, dommage! Le coup est tellement. Enfin, c'était un peu prévisible, mais à la fois tellement bien joué de la part de Genius, qui mixe très bien ses coups. Tu aurais pu croire qu'il aurait lancé ce coup-là, mais du coup, il reprend l'avantage. Genus, oh, très bien joué, oh, dommage, voilà. C'est bien joué de la part de Genus, hein. Donc même si à la fois il ne joue pas forcément le bon punish, il reste actif derrière. Donc c'est très bien joué de la part de Genus, il prend son premier round, il continue son offensive. Voilà, il choque, il garde l'adversaire, voilà, il garde l'adversaire à côté de lui, hein. Il ne veut pas le lâcher. Donc Genus qui a l'air de continuer, oh non. Le premier coup est passé en plus tard, du coup vous avez été garanti que Trianon ne pouvait rien faire. Très bien joué de la part de Genius. Alors dommage, il va falloir. Très bien joué, voilà, il a pu taguer correctement, mais Genius a l'air de le revenir à nouveau, voilà, il va le garder au mur. Hein. Alors dommage, c'était complètement whiffé. C'est complètement whiffé, mais pas puni à la fois, c'était très dommage. Alors très bien joué de la part de Trianon, qui a l'air de revenir sur ce starter. Donc ça, voilà, il va taguer, attention, très bien joué, ah dommage, il reste un pixel de vie, hein. C'est vraiment dommage de la part. Ah, très bien joué, Genus qui réagit cette fois-ci, il voit la balayette. Donc il le reparie, donc les deux joueurs se cherchent, là je vois l'avantage à la barre pour Trianon pour l'instant. Donc Trianon voit qu'il a l'avantage, je pense qu'il va pas aller le chercher, hein, ça serait dangereux. Il attend le moment, la moindre erreur, voilà, la moindre erreur, comme je le disais. Je pense que c'est terminé de la part, voilà, très bien joué. Très très bien joué de la part de Genus, qui met donc 3-0, très mal. Vraiment, c'était très très bien joué. Vraiment, Genus, il est au taquet, hein, donc à la moindre erreur, il était là. Il reste très très vite dans son jeu. Donc, ça lui permet de revenir et de rejoindre, j'appelle Red, qui nous vient de Paris pour la grande finale. Donc je vous prie d'applaudir le grand joueur Red qui nous vient de Paris, je sais pas plus longtemps. Ah c'est les chargeurs. T'as une prise. Je sais qu'il y a un mec qui branchait les trucs là-bas. Je pense que ça va être la même cette fois-ci pour la grande finale. Je vais la faire venir par ici. Donc Red qui si je ne me trompe pas. Est venu sur la scène de Tekken française, en début de Tekken 6, hein. Début de Tekken 6 où il avait quand même fait de très bons résultats. Et cette fois-ci dans Tekken Tag 2, là il montre clairement qu'il fait partie vraiment des top players français. Donc je passe le micro cette fois-ci à Trianon, hein, qui nous revient de son match de finale. Donc l'organisateur et qui finit 3ème du tournoi du coup. Tes mots sur ce match contre Genius. Alors déjà, merci à tous d'être là. C'est un plaisir d'organiser en tant qu'organisateur devant autant de monde. Donc déjà merci à vous et c'est vraiment super. En tant qu'organisateur, encore une fois, ça a été un tournoi qui s'est bien passé. Personnellement d'un point de vue sportif, c'est un peu inespéré d'être là. Donc je suis très content d'avoir été jusque là, c'était pas attendu. Donc félicitations Genius pour sa performance à l'instant. Maintenant, on va avoir droit à la finale. Donc, pour remettre un peu le contexte, donc Red a tout gagné jusque-là. Donc, Genius, pour devoir remporter le tournoi, doit le battre dans un premier à 3. Et ensuite, ça s'appelle un reset. Si Genius est en reset,
à ce moment-là, il y aura un deuxième premier à 3, et donc ce sera à ce moment-là que ça va déclarer le vainqueur. En gros, on peut avoir deux sets de 3 matchs, ou un seul set de 3 matchs, si Ben gagne son premier à 3 tout de suite. Donc là, ils font leur bouton check maintenant, là, pour préparer avant le match. J'espère qu'on va avoir une bonne finale. On a ici deux joueurs de Paris, comme ça a été dit. Genius, qu'on ne présente plus, bien entendu. Et puis, Pourette, qui est partie de cette, j'ai envie de dire, nouvelle génération de joueurs, qui a joué depuis 2006, contrairement à Genius, qui joue depuis 2005. Ils ont l'air d'avoir 5-6 ans d'expérience sur le jeu, Jimmy c'est un tout petit peu plus âgé, 4-5 ans, et lui, je joue depuis 10 ans. Donc c'est deux générations, donc on va pouvoir voir. Donc ça va être, j'espère, un bon match. Pour l'instant, effectivement, Red a choisi Fenway et Raven. C'est une team donc, qui est assez exotique, on va dire, parce que Raven est un personnage qui n'est pas forcément beaucoup joué. Et Fenway, qui est son personnage principal, et qui est sûrement un des meilleurs joueurs français avec Fenway, si ce n'est peut-être le meilleur. Et puis en face, on a donc Genius qui joue bien entendu Paul et qui est sûrement le meilleur joueur français, qui lui joue avec Brian. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est parti pour ce premier round. Donc, Arlen, vous êtes stepé tout de suite. Genius qui joue les faux carrés pliés en attaquant avec Paul. Qui aura son mur tout de suite. Là, pas le choix de la part de Red qui décide tout de suite de passer en tag crash pour sortir les pressions de son adversaire. Ouais. Donc, du coup, le juggle qui passe avec Fenway, c'est joli, c'est joli. Il y a un risque quand même parce que là, voilà. La barre de vie de Raven, je sais pas, voilà. Donc oui, bon finish. Voilà, ces deux-là se connaissent un peu quand même, parce qu'ils jouent ils se connaissent depuis quelques temps quand même. Ils sont pas, leur jeu, leur gameplay n'est pas inconnu l'un pour l'autre. Et ça se voit dans la façon de jouer. Voilà, ils sont pressés de nouveau. Bien vu de la part de Raven qui s'y attendait, justement, pour sortir du pressé. C'est un peu risqué, mais ça passe. Alors, voilà. Envie de pressé, mais la part de Jésus qui dit, voilà, premier round de Jésus. Red doit se mettre dans son match, faudra la différence. Genius est quand même là, donc il a fait 3 matchs juste avant, il est un peu plus chaud que le Red. Il peut aller justement se mettre au chaud. Ok, allez. Voilà, la punition, la bonne punition, tout à fait. Moi je gueule, c'est super. Super, voilà. On voit complètement que Red connaît ses personnages, il utilise ses images. Alors la vidéo qui passe avec Brian, ça fait très mal aussi. Dès qu'on tag 2, comme vous pouvez le voir, dès qu'on est coincé au mur, ça peut aller très très vite. Voilà. Oui, la chopant 1, ça passe bien. Oui, belle phase. Oui, super, belle phase, bravo. Belle phase, bravo. Voilà. Voilà, Polo qui est fait de créer la distance. Voilà, bonne échelle de la part de Genius, qui revient quand même offensif derrière. Mais il ne laisse pas beaucoup cher en fait à son adversaire. Hein. Oui, belle fin de la part de Genius. Ça passe, tout à fait. Voilà, c'est serré, c'est serré. Ah. Oh là, Fenway qui revient. Oh là, c'est une danse de kung fu tout à fait que nous avons là devant nous. Là. Oh là, oui, super. De dégradation, la rage qui vient de partir. La barre de vie légèrement en avant pour Genius, mais il va pas lâcher sortir, comment faire. Genius qui attendait qu'il était le moment. Voilà, que va faire Red qui rate son juggle. Attention, oui, le slip, on va finir en haut, super, donc il faut remonter à l'autre slip. C'est vraiment clairement bien joué, Red. D'autant plus la Genius a bien l'intention de faire comprendre à tout le monde qu'il n'est pas venu pour faire du tourisme. Vous décidez la tarte de fabrique de Genius. Fenway qui fait certainement pressing, qui s'en sort très très bien, bravo. Oui, et ça passe, attention. Raven en action maintenant. Le ninja. Attention, Raven. Oui. Très
de la part de Red. Bravo le triple F du 3 n'est pas simple à réaliser, mais je sais bien à la manette, bravo Red. Oui, précis, il est super, super, c'est terminé. La solidité de Red. Bravo, bravo, c'est vraiment très bien, bravo, super. 1-0. Donc le principe, je le rappelle, hein, Red mène 1-0 dans cette finale. Il a donc deux matchs, il a deux matchs, il a victoire du tournoi Steamfest 2015. Allez Vénus, on a envie que tu reviennes au moins pour donner du spectacle à tous ces spectateurs. Get ready for the next prize. Allez, deuxième match. Encore, c'est parti. Oh, c'est parti, ça lag. Il va falloir qu'on finisse, mais tant que je la rage avec Brian. C'est ça monte à gagner, et malheureusement, pour lui tout de suite, c'est très puissant de la part de Van Gren. S'accroche aussi. On a envie que Jenny gagne ce match, histoire de quand même
faire un 1-1, histoire qu'on ait encore plus de suspense, oui. Et là, ça va faire mal, ça va faire très mal. Oui, on dit pas. La tennis, ça va pas t'échapper normalement. Là, ça va pas t'échapper. Allez, tournement, tournement. On passe la rage sur un bon, c'est déjà bien. Il faut la faire passer. Voilà, elle est passée maintenant. On reprend les offensives. Voilà. On s'expose pas du tout à part. Normalement, ça peut terminer, ça peut terminer. C'est bien joué. Voilà. Deux joueurs reprennent leur personnage. Là, il est un peu dérangé par ma customisation, je peux la comprendre. C'est vrai que c'est toujours un peu délicat quand on joue avec des personnages qui ne ressemblent pas à ceux qu'on veut jouer. Donc, le petit changement qui s'impose. Troisième match de ce premier set. Raven Polo. Oh, super. Oui. Raven qui passe un peu tranquillement. Raven est sérieusement décidé à ne pas laisser passer le Jimmy cette fois-ci. Je reviens à 1-1, mais ce ne sera pas suffisant pour rien. Là maintenant, c'est à mon tour. Jimmy, c'est mon équipe qui peut revenir. Oh là, c'est super, oui. Là, ça c'est bien. Jimmy, c'est fini. Bravo. Le relevé serpent. Le Fenway. Ah, superbe. Quelle lecture du jeu d'un barbeau. Ouais, ça va en mourir et ça va faire assez mal. Le Kizem, moitié de barre, il mange. Tunis, il a une chance là, il y a une pétition avec Brian. On voit tout de suite qu'il est pas aussi bon avec Brian qu'avec Paul, mais c'est génius, on sait qu'il peut faire. Il y a une pétition là, avec tout le monde, pas très bon, c'est pas mal. Voilà, il reprend la coupe quand même, même s'il a passé une pétition en réflexe, il est quand même au niveau de du jeu. Bah oui, bravo pour la chose vraiment. Paul, et là, Raven, mais par contre, Tunis, je gueule, sans problème. Polo au mur, attention. Ouais, Polo au mur, attention. Oh là là. Ça casse des briques. Oh là là. Oh là là. La puissance, hein. Mais vous jouez pas ça. La solution de facilité, vous C'est pas simple. C'est même pas simple. Oh. Ça remonte à nouveau. 3-0. Est-ce qu'il va faire le 3-0? Est-ce que Red va réussir à... C'est parti sur ce match-là où est-ce que Genius va ne pas laisser prendre l'avantage. C'est super, il n'y a que le mur, jamais il s'en sort. Oh là là, là c'est parti à attraper. Il ne roule plus du tout, c'est incroyable. C'est plus du tout le petit homme. C'est complètement dépassé sur les faces de Raven, mais c'est bien Raven qui fait le travail, il ne faut pas s'y tromper. Oh là là, fais jouer, il monte en force. Voilà, super respect. Et la position, finalement. Et bien là, notez quand même le jeu de Red en fait. Maintenant, il est inversé, c'est vraiment lui qui lit le jeu de Genius. Juste au match d'avant, c'était encore Genius qui avait un. Oh, le test finish. Oh, mais le relevé de serpent est là. Le relevé de serpent est là. J'ai relevé tout le monde, je suis très intéressant parce que. Permet justement certaines situations difficiles, donc ils aiment récupérer un jiggle derrière. C'est très intéressant. Bonne réaction. Sur ce match-up, il faut quand même dire quoi d'abord. Quand même pas pour Raven, je ne sais pas croire. Même si comme ça, on a l'impression que Raven maîtrise, Paul est tout à fait capable de jouer contre Raven, mais aussi Fenway. Raven est en train de faire un personnage suffisamment fort. En termes de match-up, j'ai envie de dire que c'est quand même assez équilibré. Une fois qu'on connaît les deux personnages. Round 1. Fight!
un bon de retour. Est-ce que Ray va réussir à terminer ce tournoi, le match et la finale? Et ça se passe sur le bateau. La rage de Ryan sera critique, est-ce que 2-0. Est-ce que ça suffisant? Ray débute bien là. Voilà, la balle ne passe pas. Elle est complètement gagnée par ce cher Ray. Ray se dirige tout droit vers la victoire de ce tournoi de Stonehenge 2015. Nickel. C'est super, bravo. Mais pas changer derrière, c'est complètement sauté notre ami Janis. Là c'est tout qui passe. Là vraiment il y a une vraie lecture, il ne faut pas croire que c'est aussi simple, une vraie lecture du jeu. Voilà, là. Là Janis, Janis il faut que je revienne là. Là, il est avec nous, on est avec nous. Allez, on est là. Voilà, ça passe. C'est au bordel que ça se joue, tout passe. Allez. Ça t'a craché, ça passe aussi. C'est vraiment la fin. Allez, Janis. Aveugle. Non, aveugle, parce que c'est plus de tous les début de match, à chaque fois c'est aveugle. Contre le gars, vraiment le jeu de Janis, il faut bien le dire. Là, maintenant. Quel moyen rage, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est possible ou pas pour Janis? Là, Raven, tu peux quand même en enlever, c'est délicat, il ne peut pas s'en sortir. Oui, alors le moment il fait, Janis sait qu'il a une petite chance, il s'y accroche tout à l'heure, c'est son dernier round. Arrête de conclure. Alors Louis, super, le coup de fouché, super l'anti-step, oui. Là par contre, il y a un wall. C'est compliqué quand même, on est d'accord. Ce que je vous disais à l'instant tout à l'heure, c'est Raven n'est pas là. C'est quand même un petit peu difficile. Je vais faire un peu plus. Allez, Janis, encore pas sur Raven. Il faut pas que vous dites là. Oui, ça fait deux fois la même phase. C'est normal, c'est la lecture du jeu, c'est bien. On a des raisons, c'est tout le réflexe. Et là, à ce moment-là, ah, c'est dommage, ça passe pas. Est-ce que ça va passer? Non, là, il y avait tout. C'est dommage, du coup. Je sais pas, vous pressez une épaule avec ce gars-là. Ah, là, par contre, non. Non, pas de cadeau, attention. Voilà. Allez, oh non, là c'est compliqué, tac crash pour Polo, allez. Polo Fengway, judo kung fu, ah, et ça sent, ça sent la fin, Fengway pour the win. Merci à tous, j'ai envie d'avoir comme vos impressions, messieurs. Janis, peut-être commencer par toi, tes impressions de ton tournoi, de l'organisation. Fais chier. La finale, j'arrive plus à gagner, merde. Non, merci à tous d'avoir regardé la finale de Kekken, je sais bien que c'est pas forcément votre jeu. Puis bravo à Red, c'est lui le nouveau champion de France, c'est lui le meilleur joueur de Tekken français, c'est plus moi, bravo à lui. Merci d'être venu, Janis, et on espère encore te revoir sur Tekken 7, comme tu nous le promets. Que tu travailles vraiment le jeu, que tu montres tous les temps de ton talent qu'on connaît tous. Merci pour cette finale. Red, le nouveau champion. Merci d'être venu, Red. Les mots sont à toi, je te donne le micro. Je vais pas te dire, c'est la première fois que je joue devant autant de personnes. J'ai vu ici à l'habitude. Bah, pour ceux qui savent pas, c'est il est parmi ceux qui m'ont appris à jouer, donc il va être passé. Bon, je sais pas quoi rajouter, t'as peut-être des questions. Bah, allez, écoute, première question, comment t'as trouvé, c'est arrivé au Stunfest, comment tu trouves le public, comment tu trouves l'ambiance, c'est la première fois à Rennes. Ouais, c'est la première fois à Rennes, mais tout à l'heure c'est la première fois devant autant de gens. Ça va, c'est la pression à gérer, elle est différente par rapport aux autres personnes qui regardent. Mais sinon, c'était génial les gars, merci. Merci à ceux qui m'ont acclamé.
un petit mot peut-être sur cette finale que tu vas faire avec Louis, ce que tu as pensé de ton jeu, t'as pensé du match qui s'est déroulé. Ton sentiment? Bah, à la base en fait j'ai eu peur parce que je l'avais battu juste avant en fait. J'avais peur de tomber dans une sorte de... Genre ça va être facile. Du coup je me suis dit bon faut pas retomber dedans, faut focus, concentration et tout. Contre Genius quoi. Ouais. Félicitations Maël, le nouveau champion. Et comme le dirait encore le Street Fighter. Yeah, brother!